Hello tout le monde, ici GamerKing pour ce nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy X. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super comme d'habitude. Dans le dernier épisode, on a battu Semo, je crois. Oui, c'est dans le dernier épisode qu'on a battu Semo. Semo sublimé qui s'appelle, je crois. On a par la suite. J'étais en train de regarder mes points de compétences, j'en ai pas, c'est cool. On a eu une révélation de ouf, godin. Bon, bref, on a eu une révélation comme quoi Tidus venait d'un monde de rêve et que c'est le rêve des priants. C'est vraiment très what the fuck, comme que je vous ai dit dans le dernier épisode. Ça vient. C'est les priants qui rêvent du Zanarken d'antan. Puis ils rêvent de ça. Et il y a eu en quelque sorte un bug dans la Matrix là, puis Tidus est rendu dans Spira. Bref, c'est ça. Il y a un bug dans Matrix. Square Enix aime beaucoup les bugs dans Matrix. Vous verrez ça dans Case 2 parce que voilà, je vous parle un petit peu, mais ok, je me demandais c'était quoi la notification qui est apparue sur mon ordi, mon PC. Ok, c'est juste que c'est une mise à jour, je pense, du Creative Cloud, mais je m'en fous. Bref, voilà. Là, je me fais attaquer. C'est qui? C'est Yuna, sans peau, Riku. On va voler un petit peu le robot. Technique, voler le robot. Le mecha, je sais pas quoi. Après, il y a Lulu, je sais pas, je vais prendre Tidus. Tidus, viens-t'en. Et attaque le... Ouais, lui, en fait. Puis toi, attaque le plus gros. Ouais, c'est parfait, on va quand même les buter. Riku, vol. Il y a 109 quand même. Bon, attaque. On va voir si t'es fort. Oh, t'es fort, Riku, c'est fou. Et il m'a endormi, puis il m'a tué. En fait, c'est un gros connard. Il m'a endormi, il m'a tué. Yuna te fait attaquer. Vie sur Tidus, notre sœur amie Tidus, qui est en fait un rêve. Puis, en fait, ses copains, donc Ron et Lulu, Yuna, ne le savent pas encore. Parce que Tidus l'a pas encore dit, c'est tout. Puis on sait pas quand il va le révéler en fait à ses coéquipiers en fait qui est. Ça fait beaucoup d'en fait. Pour en fait il est. C'est quand il rêve. Bref. Oh j'aime pas le Behemoth. Non. J'haïs les Behemoth. Je décampe. C'est ça que je devrais tout capturer les monstres dans la grotte, cette grotte-ci, pour pouvoir débloquer l'arme ultime de Yuna. Donc, j'aurai pas le choix de la battre plus tard, mais dans les quêtes annexes, vers la fin du Let's Play. If anything should happen in the water, we're relying on you three. If it gets dangerous, pull out quick. Right. Be careful, okay? Désolé, j'avais aucun respect pour mes personnages. Je vais retourner sur la terre ferme, tout simplement parce que j'aurai Lulu pour guérir nos blessures avec son soin. Allez, soin sur tout le monde. Parfait. Et on peut retourner dans l'eau. Là, on est avec Waka, Riku et Tidus, donc les seuls qui peuvent nager. Et on va se promener un petit peu. Honnêtement, ça ferait plaisir de se retrouver sur Final Fantasy. Ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas tourné dessus parce que j'étais pris par mes études, donc je pouvais pas trop tourner. Je vais aller par là. C'est ça. Pour je sais pas. Gros fail. Bref, c'est ça. Puis j'ai pas eu le temps de tourner vraiment des avances pour la semaine, donc. La dernière fois qu'il était censé sortir, je l'ai raté un petit peu. Donc voilà. L'eau, ça fait rien dessus ces monstres-là. Donc Tidus, ça sert à rien. Puis c'est Tidus qui attaque en plus.
Je vais faire booster. Magie blanche pour ça ou ça sert à rien. Somni. Somni. Ouais, go Somni. Ça va servir plus que. Que booster. Je crois. Je sais pas. De toute façon, Tidus, il peut pas attaquer vraiment ces monstres-là. Entre guillemets. Il attaque pas des. Son arme est pas assez bonne pour ça. Mais elle est bonne son arme, mais il attaque haut, puis attaque haut, ça fait rien sur eux, donc. Je juste. Attends, c'est quoi qui est efficace contre eux? La foudre. Donc, je vais juste changer mon arme. Pour me mettre une attaque tenard. En passant, je l'ai vu, c'est juste que je voulais voir si il n'y avait pas d'autres trucs encore plus forts. Et on dirait, initiative, je pense que ça commence le combat. Bref, celle-là. Je vais mettre le sable électrique pour cette partie-ci. Même si je préfère fraternité. Go. Allez, ouais, overkill. Bravo, Waka. Tiens, on les a tués. Je sais pas si notre statut d'empoisonnement, donc poison, reste après un combat. Pendant. Comment dire. Après les combats, puis c'est ça. Je sais pas. Je sais qu'il y a certains statuts qui partent après, puis il y en a d'autres qui reviennent. Là, on est encore avec les mêmes parce que voilà, on a un petit peu quitté. La terre où qui était. Première épreuve de Gagazette. Atteignez le centre avec le ballon de Waka. Donc un petit mini-jeu, encore une fois, je sais pas. Mais c'est un mini-jeu, il faut qu'on atteint le noyau. Le noyau, comme là, à peu près. Mais il y a un petit décalage, comme vous pouvez voir. Donc, il faut vraiment que je fasse attention. Comme là, je pourrais. Et je crois que je ne l'ai même pas eu. Une minute. Non, décalé. C'est fou parce que c'est quand même assez décalé les coups. Donc je peux pas donner n'importe quand le coup. Ici. Et je l'ai eu, c'est parfait. On peut continuer. Parce que le coup de Waka, chaque fois que je lançais son ballon. En fait, il y avait une petite latence, donc c'était un petit peu plus compliqué de bien être précis. Donc, c'est pour ça que je ratais beaucoup de coups à cause de ça, à cause de cette petite latence, ce petit décalage. Donc, c'est ça. Bref. Ah, je tue les gros poissons pas beaux. Riku. Il tue le banc de poisson. Yeah, Tidus esquive. Riku fait n'importe quoi. Comme d'habitude. C'est fou. Bon, bref, pas grave. On va essayer de les tuer. Ils sont quand même assez résistants. Masse blanche, Somni X. Ou Booster X. Non, Somni X. Go. Ça fait la même chose à peu près. Ah, ils sont gardes contre Somni en plus. Il faut que je fasse vraiment attention. Bonjour, game over. Non, même pas. Je peux-tu faire fuite? Fuir. Merci. Merci, Waka. J'ai rien fait. C'est pas moi. Non, je vais me soigner. Allez, poisson plus. Allez, on les soigne à fond. Une chance que Waka pouvait s'enfuir parce que ça aurait été tellement chiant. Mais j'ai réussi. J'ai réussi à rien faire en fait. Est-ce que tu passes par là? Après que j'ai activé ça, on dirait pas. Malheureusement. C'est pas grave. Je pense qu'il faut qu'on active quelque chose, mais je me rappelle plus quoi. Vous avez l'avantage. Là. C'est pas fou. Vous avez l'avantage. C'est cool. Riku, je trouve qu'elle manque beaucoup ses coups. C'est dommage. Voilà, encore manqué ses coups. Vu qu'on a eu l'avantage, on a pu plus attaquer. Hey, on l'attaque kamikaze, je viens de réaliser ça un petit peu. Bon bref, on les a tous tués, les bandes de poissons sont assez simples en fait.
Donc c'est ça. On a beaucoup de sphères physiques, mine de rien. Ça fait quand même vastement plaisir, même si c'est pas les sphères que j'avais plus de besoin une fois dans l'histoire. Donc bon. Ah. Ah, Tidus. Riku objet queue de phénix sur Tidus. Waka. Sur ces poissons-là. 2019 points de vie perdus, c'est bon. Ah, Riku. Oh. C'est pas, je me trouve faible. Go. Ah, Waka. Ah. Tout est aussi le. Celle-là. Non, même pas encore mort. Ah, aujourd'hui, utilise Booster X. Ah. Ah, ça va mal. Objet. Non, pas objet. Technique, plutôt utiliser. On va utiliser des petites potions albettes pour toutes nous soigner. Ça va être parfait. Et je prends quand même assez cher pour ça que je fais les combats. Après, je sais pas après comment combat que je vais vous les skipper parce que c'est quand même assez redondant, c'est tout le temps pareil. Donc, c'est pas toujours intéressant. Goriku attaque. Puis surtout, c'est pas les personnages que j'entraîne le plus que je suis en train d'utiliser. Donc, c'est ça. Ça aide pas non plus. Une petite queue de phénix sur Riku. Faut pas que je dépense toutes mes queues de phénix non plus. Ça serait pas marrant du tout. Encore concentration, je m'en fous. Go Waka attaque. Ouais, il tue, c'est bon. Riku utilise tes potions albettes pour tous nous soigner. Pour tout nous soigner. Ça va être parfait. Allez, Tidus, attaque. Bon bref, là je suis en train d'attaquer. Allez, attaque Tidus. Riku fait juste un vol. Juste pour voir. Ok, une magie Kurok d'eau. Bref, go Tidus. Go Riku. Go Waka. Encore Riku. Ouais, encore Riku. Et go Tidus. Attaque. Ah, ils ont beaucoup de vie, c'est fou. C'est ouf, pareil. Technique, utiliser potion albaine encore pour tous nous soigner. Waka, pas trop de besoin, mais les autres, oui. Oh non, Waka en avait besoin aussi. Bon, bref. On l'a tué, c'est parfait. Je sais pas qu'est-ce qu'il donne. Puis comment de points de... On a appris l'overdrive victoire, le type d'overdrive victoire, en fait. Mental et physique. Donc lui, ça doit être mental. Attends, on a fini la première épreuve du manga Gazette. Donc c'est bon. Je vais juste changer son arme rendue là à Tidus. Tout équipement, Tidus. Arme, fraternité, parce qu'il est plus puissant. Après, je vais sûrement skipper les combats parce que ça risque d'être assez redondant. Puis je veux pas que ça soit trop redondant non plus. Donc je vais vous reprendre après. À tout. Bref, on a fini le combat, c'est cool. Voilà. Faut que je pense beaucoup plus aux ellipses. Parce que j'ai remarqué que dans mes let's play, c'est... Ben dans mes let's play. Surtout vers Final Fantasy, j'oublie tout le temps que je peux faire des ellipses. Comme là, je vais sûrement faire une ellipse ou un accéléré, je sais pas. Comment qui durera l'épisode, donc à plus. Bref, j'ai un petit peu, j'ai envie de dire, fui le combat. Vous allez être franc. Non, je vais pas sauvegarder. Go. Parce que le combat, je galérais un petit peu. Puis c'était... c'est ça.
je voulais pas avoir un game over inutilement parce qu'ils auraient dû recommencer. Sens pour Riku, s'il te plaît. Comme ça, on pourrait voler le robot. Voilà, on le vole. Toi, sens pour Oron. Comme ça, on pourrait frapper le Nidog. Et il est mort. Ils sont tous morts, donc c'est cool. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça me dit par là. Une minute. Bon, c'est juste des robots, donc. Qui attaquent en premier, mine de rien. Puis qui m'ont tué. Technique volée sur lui. Qui m'ont tué Tidus. Technique volée. Bon, moi, c'est juste des robots, donc c'est plus simple. Voilà. Je pense pas tellement à faire des ellipses, j'ai remarqué ça. Non, Riku! Oh putain, t'as tué Riku! Espèce d'enfoiré! C'est tellement pas rapport. Bref, on n'est pas dans ce parc. Dans ce parc. Donc, ça n'a pas rapport. Vie sur Riku. J'ai fait sur Tidus, mais pas grave. Il attaque. Voilà, il est mort. Il explose en plus à la Michael. À la Michael Bay. Go, je vais juste me soigner un petit peu. Ah, attends, peut-être par là. Je comprends pas l'indication de la flèche. Ok, une chance que. Non, je vais garder Riku. Une chance que Yuna a esquivé tous les coups. C'est bon. C'est pas si mal que ça. Lui, tu l'as? Non, même pas. Oh, il manquait genre 50 PV. 50 aspects en fait. Sens pour Oron. Tu vas attaquer le gros, s'il te plaît, Oron. Parfait. Tu attaques lui. Voilà, des overkills, c'est parfait. Je comprends tellement pas la flèche, mais pas grave. On la suit pas. Aucun respect. Je peux même pas. Bref, je peux même pas passer, donc. Ah, ça me tente pas de l'affronter. Ah, ça me tente pas de l'affronter. Ah, ça me tente tellement pas. Même en off, ça m'aurait pas tenté. Il est trop gros. Donc, voilà. Je vais juste aller au point de sauvegarde. Juste sauvegarder pour être sûr de pas perdre ma sauvegarde à cause d'un game over. Un game over con. Voilà. C'est fait. Je vais sûrement aller plus. Ça me saoule, ça me saoule, sérieux. Après c'est Tidus, c'est parfait, je vais juste, je vais juste passer le tour de Yuna, c'est ça que je voulais dire. Allez, je vais aller par là-bas. Ouais, par là-bas, go. Ça me tente tellement pas de faire les combats. Est-ce que je l'ai fait? Non. Je les passe. On va aller par là. Ça, je pense que c'est par là la suite de mémoire. De mémoire, oui, c'est par là. Oh non, pas le behemoth. Oh, c'est trop long à battre. Le mec peut faire aucun combat. Je vais sûrement m'entraîner en off entre le prochain et celle-là. Donc, parce que je sais qu'il y a un boss vers la fin de ce. De ce. Comment dire. De cet endroit. Donc, il est assez complexe, d'ailleurs. Mais c'est pas très grave. Ok, go. Il résiste à l'eau. Petit dieu, je peux pas attaquer. Ah non, ça c'est Riku. Donc elle peut attaquer, parfait. Là c'est Tidus, donc sens ton arme par l'attaque tonnerre, s'il te plaît.
T'as pas trop le choix. Malheureusement, ça gaspille un tour pareil. Juste voir Masse Blanche Booster X sur. Ouais, il y aura quand même le temps d'attaquer. Et... mais après, ils vont avoir. Je sais pas. Je sais pas. Pas tout de suite. Allez, sur lui. Sur eux autres. Puis sur l'autre banc. Ça va être parfait. Ils vont crever. Voilà. Ceux-là m'attaquent. Ils font pas très mal, je crois pas. Donc c'est parfait. Concentration. Il se concentre. Mon dieu. Mais je sais pas qu'est-ce qui arrive à la fin de leur concentration. Il me semble que j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu leur. Après qu'ils s'aient concentrés, qu'est-ce qui se passe. Je sais pas. Donc voilà. Alors, je pense que c'est Sonic Wave qui attaque. Je m'en vais, bye. Bye bye. Bon, faut se penser aussi à faire des ellipses. Je pense pas. Bien. Potion sur tout le monde. Voilà. Parce que sans ça, ils crèveront tous. Sinon, ça me tente pas trop. Ah, ça me tente pas vraiment de les affronter en fait. Bye bye. On passe par là. Il y a quand même beaucoup de mobs à affronter. Ok, je crois que c'est par là qu'il fallait qu'on aille. La deuxième épreuve de Gagazette. Actionnez les leviers cassés dans les trois trous. En même temps, choisissez bien qui doit entrer dans quel trou en fonction de sa taille. C'est assez simple. Pour choisir le bon trou, il faut qu'on se fie aux couleurs du sphérié. Donc je vais prendre vert pour Riku. Bleu pour Tidius. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Et Waka, il te reste juste une possibilité. Celle-là. Je crois que c'est bon. Pas. Ou pas, je sais pas. C'est quoi? Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Je l'ai eu. Quoi? Ouais, je l'ai eu. Bref, j'étais pas trop sûr, mais je crois que je l'ai eu. Le mec qui veut pas faire les combats, bah, ça me tente pas. Comme j'ai dit, je vais m'entraîner entre les deux. Celui-ci et le prochain, donc. Bon. Voilà quoi, ça sert à rien. Mais ça, les combats, c'est vraiment important dans ce FF à comparer de. Je pense le 8, c'est pas très important les combats. Parce qu'il y a un autre système, je vais vous faire plus tard. Donc, bref, je vais pas vous dire c'est quoi le système de combat, mais il est très différent. C'est ça. Puis le. Voilà, c'est pas des combats extrêmement durs. J'ai déjà connu pire que ça, donc voilà. Bref, skipper des combats, passer des combats, là, c'est pas très grave, on s'en fout. Sauf qu'il nase tellement lent, Tidius. Je me suis habitué à la nase de Lara dans Tomb Raider, celle que je fais en ce moment. Parce que on mitraille le bouton B, puis elle va super vite, Lara, en plus, c'est fou. Non. Pas lui. Même si je sais comment le battre facilement, mais ça me tente pas. Parce qu'il résiste à beaucoup de magie, mais il y a une technique qu'il faut qu'on fasse qui nous permet de le. Il faut qu'on monte là-haut. C'est cool. Une technique qui permet d'enlever toute sa résistance magie. Magique, plutôt. Donc voilà. Je vais encore skipper ce combat là. Ça me tente tellement pas. Je vais vraiment m'entraîner entre les deux épisodes, donc c'est ça.
be upon us soon. She has sent fiends to test our summoner's strength. Who is she? Unalesca. Lady Unalesca! In Xanarkand, she awaits the arrival of the strongest. She is still alive? As much as Micah and Seymour. I see. Lost your nerve? No. Nothing frightens me now. Braska would be proud. Then I must not let him down. Honnêtement, ça me surprend vraiment pas que Unalesca est encore en vie. Comme Semo et Mika. Bref, ça me surprend vraiment pas. Parce que j'ai l'impression que Spira est dirigé par des morts. Vous avez l'avantage. Ce combat-là est assez simple en fait, donc je vais le faire avec vous. Pour un petit peu quand même m'entraîner. Donc voilà. Toi sans Wakasans pour Auron. Et attaque le gros avec la carapace. Voilà. Je crois pas qu'il y ait de carapace, mais d'ailleurs, mais c'est pas grave. Raté. Riku, t'es nul. Va-t'en. Tu es nul. Sérieux? Bref. Je suis trop méchant avec Riku. Vous avez un petit peu sauvegardé. Allez, sauvegardation. Ça se dit tellement pas sauvegardation, mais pas grave. Non, c'est le temps de sauvegarder. Je pense que c'est la fin en fait. Est-ce que c'est la fin? Je sais vraiment pas. Donc c'est ça. Parce que je sais que pas loin, si c'est presque la fin, il y a un combat de boss. Mais je sais pas si c'est bientôt la fin. Donc je vais y aller pareil. Bref, bravo moi. Le combat de boss était maintenant. Technique Riku, bonne étoile, s'il te plaît. Donne-nous bonne étoile pour augmenter notre sens. Tidus, augmente notre vitesse. Donc booster X sur tout le monde. Photon Wing. Je sais pas si c'est fort. Oh, c'est pas si mal. Auron attaque, go. C'est le gardien pour aller à Xanarkand. Après c'est Xanarkand vraiment là. On est bientôt rendu à la fin de notre périple. Donc Riku. Ah Tidus parce qu'il est endormi pour ça. Technique. Utiliser poisson albed qui soigne poison mutis et fossile en même temps, donc c'est cool. Riku. Ok, c'est ça, on a fléau, donc on peut pas utiliser notre overdrive. C'est cool. Je peux baisser son attaque, je crois, avec spéciaux et mousse. Bon, on va baisser un petit peu son attaque. Et on peut... Yes, c'est parfait. Que de sommeil. Bon, personne n'est endormi, c'est cool. Gossons son arbre, s'il te plaît, par fraternité qui est plus puissant. Ah, 36 116, il y a quand même pas énormément de points de vie, j'ai envie de dire. Mais c'est good de faire quelque chose. Go Yuna, elle a pas fléau, donc osmose.
Et ça me tente d'envoyer Bahamut dans sa gueule. Bref, je pensais pas que l'épisode serait aussi long. C'est quand même... Je savais qu'il y a un boss, mais je savais plus trop c'est où. On est rendu au boss. Donc voilà. Je vais utiliser Bahamut là. Pour en finir avec. Je sais pas si c'est des attaques de mort comme qu'il y avait ces mots. Ces mots, on l'a pas vraiment vu. Mais j'avais galéré parce qu'ils avaient fait un tournage juste avant. Puis galéré à mort. Après, j'ai un petit peu en guillemets rasqué kit. Puis j'ai pas rasqué vraiment. Soin max. Tu déconnes? C'est ça qu'il y a. Ok, c'est ça qu'il y a. Il y a soin max. C'est fou. C'est une attaque que je déteste. En fait, parce qu'il soigne avec soin max. Donc ça, c'est chiant. Photon wing. C'est pas fort, je crois. Ça va enlever 1000, je crois, Bahamut. Donc, ben ouais, c'est ça. 945. Donc, bye bye, Bahamut. Ça t'a bien servi. Les cimères sont fortes, mais les tours d'action d'une cimère, c'est vraiment pas très long. Pas très long. Donc voilà. Je pense que la seule qui n'a pas booster, je vais juste regarder. Booster. C'est Auron et Yuna. Donc je vais me mettre un booster X en fait. Ça va me permettre qu'il attaque plus les autres. Ce serait aussi plus économique que juste faire booster sur les deux. Par exemple. Pas d'invocation là. Qu'est-ce que je peux faire? Isunus, je pense pas que ça peut enlever Fléau. Donc c'est ça, donc Go Lulu. Malheureusement, elle est même pas Boussa. Donc je vais le mettre tantôt Boussa. Go Brasier X. 1122, ok. Spéciaux et mousse. Animazic, c'est abaisse la magie d'un ennemi. Abaisse l'esprit d'un ennemi. Ou trépas, c'est abaisse la constitution et neutralise cuirasse. Je viens de penser à quelque chose. Tout. L'esprit, c'est la défense magique. Animazique, c'est la puissance magique, je crois. Et ça va être quand même un assez long épisode. Je vais sûrement lui envoyer un boomerang, en fait. J'ai pensé à ça, mais quand ça va être le tour à Lulu. Que de sommeil, je m'en fous. Go. Là, c'est le tour à Lulu. Donc, sens pour Yuna. C'est ça, boomerang. Parce qu'il attaque soin max. Donc, boomerang, ça va juste l'envoyer sur nous. Sa constitution et son esprit sont élevés. Donc, c'est ça, il faudrait qu'on abaisse son esprit aussi. Puis, on attaque trépan. Ça pourrait aider. Ah, tu dis. Technique. Non, pas technique. Magie blanche. Vie sur Tidius. Go. Allez, on soigne un petit peu Tidius. Et magie blanche. Soigne plus sur Auron. Pour soigner aussi Auron. Ça pourrait aider. Et vu qu'il y a boomerang, ça soigne un de nos personnages. Je suis intelligent parfois, hein, c'est fou. J'utilise des trucs très intelligents. C'est une chose que j'ai pensé à ça. Je vais juste me remettre un booster X. Ouais. Parce que Auron n'a plus booster. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Même si ça sert à rien à Yuna, mais ça sert aux autres. Donc, comme j'ai dit, c'est plus économique de faire booster X quand il y a deux personnages que booster normal.
Essaye, arrête là, c'est trop généreux de me donner des vies sérieux. Ok, j'ai l'air d'un putain de canard. Non, mais c'est ça. Le boomerang, ça il s'attaque sur un max, mais... je vais juste enlever son esprit. C'est dans déprime, je crois? Oui. Mais c'est ça, en attaquant soit Max sur lui-même, ça l'envoie sur nous. Donc c'est pour ça que vous avez pensé un petit peu à ça pendant le combat. Donc c'est bon. On est rendu à 40 minutes d'épisode, c'est fou. C'est quand même ouf. Ah, tout le monde est en sommeil. En plus, Auron est fou. Ouais, il est plus fou, mais bref, on s'en fout. Magie Blanche, soigne plus sur Auron parce que c'est quand même un de nos personnages les plus forts. Donc, même si Yuna reste la plus importante. Donc, c'est ça. Auron spéciaux. Animagique, non, trépan. Pour descendre sa constitution, donc sa défense. Ça va nous aider un petit peu. Je peux-tu changer contre Riku? Il est un Riku. Je pense que ça enlève pas sommeil en fait, la potion Albed. Donc reviens Yuna. Je vais juste te soigner vu que t'es ma seconde plus importante. Tidus est juste après. Oui, j'ai quand même un classement de mes personnages. de mes personnages que j'utilise. Allez, Tidus. On te soigne, inquiète-toi pas, on n'arrive plus à parler, on ne t'a pas oublié. Bref, Auron est mort, donc gros vie sur Auron. Gotidius, un petit booster X, ça servira à rien. Donc booster sur Auron. Vous saurez que ça servira à rien. Non, il n'y a plus de magie pour l'utiliser, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Priya, ça gaspille pas de magie, donc pour ça que j'utilise beaucoup. Carapace. Pourquoi il m'envoie Carapace? C'est seul loup. Vraiment un seul loup. Ok. C'est pas trop grave. Donc, objet, j'ai des éthers. C'est des élixirs. Éthers. Non, je vais mettre des élixirs dans ce cas sur Tidus pour avoir Booster X. Et je me fous un booster sur moi-même. Oui, go, sur moi-même. Pourquoi il m'a mis Carapace? C'est ça, je comprends pas. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça avec Yuna, j'ai pas pensé, mais je devrais mettre Carapace sur tout le monde. Sur elle-même. J'ai pas pensé à ça. Ah non, ok, ouf. Je comprends pourquoi il met Carapace sur nous. C'est parce que il y a encore Boomerang. Puis vu que Carapace est une attaque magique, il nous l'envoie dessus, donc... pour ça. Je viens d'y penser. Go Yuna. Elle peut pas attaquer une magie vu qu'elle est sous mutisme. Donc je vais un petit peu utiliser Riku. Même si ça sert vraiment à rien parce que je viens de rappeler Yuna. Donc c'est super utile. Go passons à Albed. Je crois qu'elle est encore sous booster, donc c'est cool. Oui, parce que j'attaque encore, c'est fou. C'est ouf. Poussons le bête, go. Allez, on se soigne un petit peu. 27 000 qui reste, c'est pas si mal, en fait. Go Lulu, je crois qu'elle est sous booster, même pas. Elle est pas sous booster. Bref, non, attaque pas de magie. Il y a Boomerang, ça serait complètement con. J'ai mis Boomerang, donc.
Masse blanche, c'est ça. Donc, c'est le Boca, je crois. Ouais, Boca sur... Boca sur elle-même, en fait. Pour un petit peu la soigner de ce mutisme. Elle attaque. Go sur... Go Tidus. Masse blanche. Masse blanche sur elle-même. Allez, un petit soin plus, ça te fera pas de mal. Souffle magique, ok. J'aurais dû les protéger avec blindage. Surtout Yuna qui vient de crever. Donc, go queue de phoenix. La puissance de la queue de phoenix. Parfait. Je sais ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà. Une petite attaque d'Oran vu que c'est mon plus puissant. Queue de sommeil. Il va-tu attaquer? Oui. Il attaque boomerang. Sur Yuna, mais Yuna, je peux enlever dissipation. Mais si j'enlève dissipation. Déprime boomerang. Ouais, il est encore sous boomerang. Non, je vais pas utiliser de magie tout de suite. Je pensais utiliser booster, mais oubliez ça. Magie. Dissipation sur elle-même. Donc ça va m'enlever boomerang. Pouf, j'ai plus boomerang, donc c'est cool. Il s'ostine de m'attaquer boomerang, donc c'est ça. Oh, c'est bon, un coup critique, c'est parfait, Tidus. Encore un coup run. Yuna, je pense qu'il faudrait que j'arrête de faire dissipation, je pense qu'il va tout le temps me rattaquer. Je vais juste attaquer Carapace sur Oran, go. Non, je pense attaquer Dissipation. Parce que s'il m'attaque soin, je sais pas si ça va l'attaquer soin de... Si ça va renvoyer soin sur moi. Bref, je vais pas prendre de sens. Je ne sais pas trop ça. Ce point-là, je sais pas. Bref. Elle est encore morte. Bref, on soigne un petit peu Yuna. Voilà. Tidus, si je fais magie blanche booster X, tout de suite. Go Riku. On va faire une petite technique, utiliser une potion albette pour soigner tout le monde. Ça va être juste parfait. Voilà. Fais attention à toi, Riku. Go Oran attaque. Il reste 12 000 points de vie, donc c'est pas si mal. Il reste 10 000, là. On est en train de le... carrément le défoncer. Si je puis dire comme ça. Magie blanche. Blindage sur Oran. Go. On va faire un petit blindage sur Oran. Pour le protéger de la magie, parce que j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de... De magie comme personnage. Comme boss plutôt. Allez, booster X. Personne n'est sous boomerang, je crois, donc c'est cool. Un petit soin plus sur Tidus. Tidus, voilà. On va un petit peu soigner Tidus. Et on va soigner après Oran. Là, c'est encore Tidus à attaquer. Queue de sommeil. Bref, objet. Méga élixir. J'ai pas de méga potion. Oui, j'en ai. C'est pas si mal. Je pourrais soigner tout le monde. Souffle magique. Ah, encore sur Yuna. Puis en plus, Yuna est quand même assez importante. Donc, ça serait assez ballot de la négliger. Comment il reste? 4800.
Hâte les attaques. Il reste 3179. Allez, attaque. Il doit rester genre 2000 ou 1000. Boomerang sur Yuna. Magie blanche. Je vais encore me le dissiper parce que. Honnêtement, Boomerang, je suis pas trop fan qu'ils mettent Boomerang. Et on l'a battu. C'est cool. C'est cool. Mais il est pas compliqué comme boss. Donc c'est pas si mal. Quand on comprend un petit peu son fonctionnement, il est pas compliqué. Hey, can't we rest a little? No need. We reach the summit soon. I know. That's why I want to stop for a bit. Soon means that there's not much time left. Riku. Fine. I'll think on the way. Voilà, on a tous nos points qu'on va mettre plus tard. Hey, come on. Let's go. We are. Almost there, aren't we? We've come a long way. What's so funny? You remind me of myself. Before, the closer I came to Zanarkand, the more I wondered. When we arrive, Braska will call the final Aeon. He will fight Sin, then die. I thought my mind was made up long before. But when I stood here, my resolve wavered. Never would have figured. Legendary guardians choke sometimes too, yeah? Legendary guardian. I was just a boy. A boy about your age, actually. I wanted to change the world too. But I changed nothing. That is my story. Bon, on va continuer encore un peu ou... Ah, on va encore continuer un peu ou on va se laisser là? On va se laisser là. Vous allez voir. La prochaine scène va vous rappeler vaguement quelques souvenirs du début du Let's Play. Dis pas plus, dis pas moins. Voilà, par là. Et comme Aaron nous l'a dit, plus qui approchait de Zanarkern, plus qui se sentait flessé. Donc, va sauvegarder. Pas tout de suite, je vais faire le sphérier en même temps de faire ma conclusion. Bref, je vais arriver à parler. Non, c'est ça. Plus qu'il se rapprochait de Zanarkern, plus il se sentait flessé. C'est ça qu'il disait. Donc, pour ça que Tidus. Ben, Ron pense à lui en regardant Tidus parce que lui aussi il est pareil. Plus qu'il se rapproche de Zanarkand, plus qu'il se sent flessir, donc un petit peu abandonné. Puis il a peur que Yuna crève, évidemment, vu qu'ils sont amoureux. Ben, ouais, c'est ça. Je vais aller là. Je vais mettre physique. Bref, c'est ça. Il y a plus d'autres trucs. Le boss était quand même assez simple. Quand tu connais le truc, il est simple en fait. Quand on connaît ses attaques, tout ça. Voilà, surtout qu'il me. Il était rendu à me soigner. Donc, c'est ça. Kimari a pas attaqué. Lulu a attaqué par contre. C'est mental. C'est quoi cette technique-là? Sorcellerie. Je pense que j'ai jamais utilisé sorcellerie. Celle-là, par contre, c'est Foratonium, donc je vais essayer de l'avoir. Bref, c'est la fin.
En espérant que cet épisode vous ait plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça ferait extrêmement plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Final Fantasy X. En attendant, portez-vous bien et bye tout le monde. Allez, bye bye.